Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4, Pleased Giraffe. Bon, alors maintenant que mon mec s'est bien reposé, je vais devoir récupérer le lit, récupérer les plateformes parce qu'elles sont superbes. Voilà. Parfait. Mettre une pétoche au milieu. Mettre une pétoche là. Mettre une pétoche là. Récupérer ça. Allez, hop. Ça. Allez. Ça. Allez. Ça. Ça. Et ça. Et les portes. Et nous voilà parés pour continuer notre quête en profondeur. Bon bah non. Bon bah on retourne sur notre sur nos pas. Et on va aller creuser par là. Ce qui, je l'avoue, ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Touché. Oh, je suis mauvais. Tiens. Oh oh. Encore un petit truc intéressant. Allons voir. Alors j'ai appris aussi qu'il y avait beaucoup plus de livres dans cette version du jeu. Donc de codex, hein. Apparemment ils sont pas amicaux ceux-là. Oh putain. C'est la touche, vous savez, la petite touche à la con. Alors. Qu'avons-nous là? Oh. Que des petites choses intéressantes. Génial. J'ai toujours pas de Steam Pack. Rouge. Non. En train de chercher, mais non. Bon, bah tant pis. Ici, on est à 12 déjà, ce qui est une bonne chose, j'imagine. Copper axe au cas où je vais la mettre. Copper pickaxe, je vais la mettre là. Oh, joli l'anneau là. Ok. Je vais pas passer par la flotte pour éviter d'être emmerdé. Et on va reprendre notre petite séquence de minage. Un peu plus bas là que là où nous l'avions laissé justement. C'est là qu'est tout l'intérêt. Hop, toujours à la recherche donc des molten cores si je me trompe pas. Qui sont en fait, c'est ça, hein. Attendez, je vais revérifier le nom. Des core fragments, pardon. Que l'on peut retrouver donc au milieu d'une, enfin au niveau du centre de la planète. De chaque planète. Si ça n'a pas changé. Alors. Qu'avons-nous là? Oh! Alors ce que je vais faire, déjà hop, ensuite je vais mettre ça en 5. On va en placer quelques-unes. Oula, je me trompe d'habitant. On va quand même placer quelques torches. Intéressant par là. Ça descend? Ça descend. Économisons quand même un petit peu. Il
Une caverne de roche, je serais curieux d'aller voir ce qu'il y a dedans. Un monstre. Oh! Ça m'a suivi. Ça, c'était vilain. Alors, soit j'ai un chemin direct. Soit un chemin indirect. Aïe. Ok. Ça passe plutôt bien sinon. Je m'attendais presque à ce qu'il me suive à nouveau. Il y a du sable, ce qui peut être une bonne chose. Et là, par contre, il y a des choses. Non, c'est pas des plantes. Non, là, c'est bon. Je vais passer par là. Hop. Par contre là c'est gênant, je vois pas le fond. Bon, ce qu'il fallait surtout pas faire, enfin éviter en tout cas. Putain, il y en a un bouquet tombé par. Bla. Alors regardez le nombre de points de vie qui me reste, c'est assez impressionnant. Oh la gueule, la moule. Bon. Un problème, ça va être de remonter. Je suis à moitié étonné. Je suis qu'à moitié étonné, pardon. Rien de bien intéressant. Va me falloir du charbon. Alors. Combien je peux en faire? 4x4, 16, parfait. Faut récupérer tout le charbon qu'on trouve maintenant, chers amis. Hein. Faut que j'y pense. Parfait. Avec un coffre en fer, juste au-dessus. Hop. Oh, upgrade module. Waouh! Une harpe. Bon, c'est pas l'instrument que je préfère. Clairement pas. Mais bon, écoutez. Faudra s'en contenter. Non. Yes. Bon. Base DPS. Il a l'air vachement bien ce gun. Alors, que je vous explique, chers amis, ce à quoi on a affaire. On a affaire à une salle, une espèce de salle de défi, une salle de challenge, vous voyez, qui s'ouvre. Et dans laquelle je peux entrer. Challenge portal. Allons-y. Et donc, dedans, ça teste nos skills, en fait, tout simplement. Oh. Aïe.
Et le plus gênant, c'est de ne pas y voir en fait. Alors, jusque-là, ça se passe pas trop mal. Oh. Ok, on va jouer le jeu. Ah, pas parfait. Je sais pas du tout ce que ça m'a ouvert, mais c'est parfait. Non. Ne sois pas trop pressé, Marcus. Oh. Joli ça. Oh, puis on l'a réussi, chers amis. Bon bah GG à nous. Alors, on y trouve donc ça. Un tech chip. Un pistolet. Pistolet laser en plus. 7, 8, 49, celui-là il fait. Énergie par shot. Alors, il faudra que je fasse des calculs là, chers amis. Alors, et une petite épée sympathique. Juste pour voir. Ouais, elle a juste une gueule, quoi. Pourquoi pas? Ah, ça c'est intéressant. J'ai pas encore acheté le mien. C'est pas mal non plus. Je ne peux pas la prendre, parfait. On y retourne. Bon, bah voilà. La première porte de challenge réussie. Attendez, excusez-moi. Hop, hop. Voilà. C'était pour le nom de l'épisode, vous savez. Ok. Toujours à la recherche de charbon, chers amis. Hein. Ah! On arrive au bon niveau. À la bonne hauteur, je dirais. Par contre, du coup, pas pour le charbon. Alors, on en a un petit peu ici. Hop. Il nous en faut une vingtaine. Hein. Nous sommes à 7, 8, 9. C'était un piège, je croyais que c'était un coffre ou un truc dans le genre. J'aurais dû faire plus attention. Enfin, un peu plus attention. Bah non, j'étais stupide là. Là, je vais pouvoir récupérer tout ça. Je vais vous montrer pourquoi, parce que sinon, ça serait passé au travers. Allons-y. Quoique, je sais pas si ça passe au travers, je me rappelle plus. Bon, en soi, c'est pas extrêmement important. De toute façon, je suis en dessous. On devrait trouver ce qu'il faut là. Ça se passe extrêmement bien cette aventure, chers amis. Ah bon, ça me rappelle un petit peu Starbound Hardcore. C'était vraiment très très bien passé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc il faut remonter maintenant. Hop. Alors non, je ne vais pas récupérer mes...
Mes torches au fur et à mesure. Hop, par contre, j'ai récupéré un petit peu de fer supplémentaire, mais tout. Pourquoi pas? On sait jamais. En tout cas, c'est cool de voir que les minéraux sont de retour de manière, je dirais, mince, je me trompe de touche. En quantité importante, en fait. Tout simplement. Alors, par contre, là, je me rappelle plus ici à droite. Donc, ceux-là, par contre, je vais pouvoir aller les récupérer parce que ceux-là, ils m'indiquent une mauvaise direction. Hop! Bla, bla. Voilà. Bonjour. Ok. Bon, bah, jusque-là, ça se passe plutôt bien. On remonte extrêmement bien. On récupère le charbon cette fois-ci. Même s'il est dans la pierre, c'est pas grave. Voilà, ça nous fera quelques torches supplémentaires pour la prochaine fois. Ok, intéressant. Ça laisse qu'il fasse un peu plus de dégâts, mais non. Ah mince, je gaspille, chers amis. Ah zut. Toujours cette histoire de se retourner ou pas. Ok. Je préfère encore la mettre là. Ah oui, le fer que je n'avais pas récupéré ici. Alors. Bon, il n'empêche que c'est quand même assez fructueux, chers amis, comme voyage au centre de la Terre, j'ai envie de dire. On n'a pas été, je veux dire, floué par le jeu qui nous a rien donné, quoi. Au contraire. Alors, je vois un truc là-bas. J'ai bien fait de venir. Oh non. Fait chier. Rotic Dunskinner, c'est quoi ça? Un pistolet, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, le passage est fait. Ah bla. Il me reste un cube à couper, voilà. Ça m'étonne qu'à moitié. Alors, à gauche ou à droite? Apparemment à droite. À gauche, pardon. Je vais aller couper ce que j'ai par là. Ah oui, c'est là. Là, je récupère. Parce que là, je n'y retourne. Oh, j'avais oublié la table. Oh là là, ça a dû hurler dans les commentaires. Bon, ça c'est fait. Non. Ah oui, non, c'est en haut. Ouh. Je commence à me dire, putain, non, je suis perdu. Ok. Il faudrait peut-être une petite torche. Ça éclairerait un petit peu la zone. Ok, donc là, c'est oui, c'est le...
Truc que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Touché. Essayons cette épée. Enfin, réessayons cette épée. C'est un rond de fumée qu'ils font en fait, hein, tout simplement. Juste pour voir, juste pour la forme, j'ai envie de prendre ce flingue. Oh, il est aussi efficace. Par contre, il tire moins vite. Voilà. J'ai l'impression que le son de la musique est assez fort. Hop. Forcément. Je gaspille encore. Oh, allez, je vais les récupérer pour la forme. J'ai fait le détour pour les autres. Aïe, je vais crever surtout. Alors. Ok, c'est bon. Là, ça va être un peu plus dur. Ok. Hop. Désolé. Je dois avoir des climbing rope. Donc on va pas se gêner là pour le coup. Là on va récupérer quelques fibres. Comme dans Ark. Continuer avec quelques fibres. Ça nous fera pas de mal. En tout cas, ça nous en fera plus. Je crois que c'était par là que je venais. Oh non. Voilà. Et nous voilà ressortis, chers amis. On l'aura fait jusqu'au bout. On remonte. Voilà, back home. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos avec moi dedans. Donc que ce soit du Starbound et d'autres jeux, vous inquiétez pas, il y aura un bon nombre de séries avec des nouveautés qui arriveront pour la rentrée, donc au début, du mois de septembre, donc d'ici une semaine, enfin pour vous je sais pas combien de temps ça fera, mais pour moi ça fera une semaine. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.